Salut à tous, Neo Anderson pour Endgames.com. Ce soir, je vous présente Bravely Default, un jeu développé par Silicon Studio, édité par Square Enix, un vrai RPG dans la pure tradition japonaise, un old school RPG, comme s'est amusé à le dire à juste titre Calern, notre testeur qui a fait le jeu en long, en large et en travers. Cette fois-ci, on vous fait le vidéotest de ce soft. On a recommencé une partie pour ne rien vous spoiler, donc vous ne verrez pas des personnages de très très haut niveau. On en est à environ 7 heures de jeu, parce que ben, notre but c'est pas de vous spoiler, tout simplement, pas de vous montrer des grosses capacités, puisque 50% du plaisir d'un RPG se fait dans la découverte, et que celui-là a plein de choses à vous faire découvrir. L'écran du bas, c'est tout simplement la carte globale du continent sur lequel vous vous trouvez. Ici, on est à Caldicia, avec la capitale qui est surlignée. Vous avez également la possibilité d'accéder à un écran où vous pouvez sauvegarder, à un écran très sympathique de missions. Donc vous allez en fait avoir 50 missions à remplir, mais des missions qui permettent en fait de faire connaissance avec le jeu. Par exemple, feuilleter le journal de D, on va vous expliquer ce que c'est par la suite. Guérir les morts-vivants, donc vous jetez un sort de soin sur un mort-vivant, hop, vous gagnez une récompense, à savoir une pierre de renvoi, et ainsi de suite. Il y avait par exemple afficher l'aide, ce genre de choses. C'est très sympathique, excellente initiative. Ici, vous avez mon profil. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu qui se joue à la fois en solo, mais aussi via le Street Pass. Il y a moyen d'inviter des amis à vous aider durant les combats principaux. Très sympa. Vous voyez en haut le cycle jour-nuit. Très bien fichu. Il y a moyen également de se servir de Street Pass pour ce mode-ci, à savoir que toutes les personnes que vous croiserez deviendront des habitants dans un village que vous allez reconstruire. On peut le voir ici, c'est le village de Norende, d'où vient Tiz, l'un des héros du jeu, qui a été englouti dans un énorme gouffre. Je vais rapprocher l'écran, voilà, comme ça on le voit un petit peu mieux. Donc ce village est composé de différentes sections, et il faut à chaque fois utiliser l'un ou l'autre personnage habitant que l'on peut avoir, pour ou bien ouvrir une boutique, ou la booster, ou explorer de nouvelles zones pour étendre le village. En sachant que toutes les boutiques que vous allez booster permettront à un marchand itinérant que vous allez rencontrer tout au long de l'aventure de proposer des équipements que vous allez débloquer dans ces fameuses boutiques. Les monstres que vous voyez là, ce sont des colosses que vous allez devoir combattre avec votre équipe de 4 personnages. Ces colosses sont soit envoyés par d'autres joueurs, tout comme vous, vous pouvez en envoyer à vos amis, ou proposés par la console. Là, ils sont quand même tous de niveau 99, sauf un de niveau 25. J'ai pas encore les capacités de le battre. On va simplement vous montrer un petit peu en quoi ça consiste. Regardez, au niveau du village, je vais pas ouvrir une nouvelle zone, je vais simplement, par exemple, ici, ceci, voilà. Je vais regarder ce que c'est. Voilà. Je peux tout simplement récupérer des éléments de coups spéciaux disponibles. Il me suffit pour cela d'utiliser un habitant pendant 2 heures. Ou bien d'utiliser 2 habitants pour raccourcir le temps à 1 heure. 3 habitants, 4 habitants, 5 habitants pour raccourcir le temps en 24 minutes. 24 minutes de jeu ou de veille de la console. Si vous éteignez la console, c'est mort. La veille de la console, en plus d'être utilisée pour ce type de principe, ça permet également de récupérer, et ça on va vous le montrer tout de suite, des points S qui permettent de ralentir le temps en combat. Mais avant toute chose, regardez ici. Je vais souvent passer du haut au bas, hein, ou du bas en haut. C'est le journal de D. Donc D, c'est un personnage qui a écrit un journal qui voit les événements, en fait, qui rédige des prophéties. Donc vous avez par exemple ici des notes. On va les passer. On voit tous les personnages, dont les 4 personnages principaux. Ringabel, qui est le propriétaire, pour le moment, du journal de D. Il est amnésique, il ne sait pas comment il s'est retrouvé en possession de ce journal. Tout ce qu'il sait, c'est que ça lui écrit son futur et le futur des 3 autres héros. Tiz, dont le village a été englouti dans un gouffre sans fond. Vous avez Agnès Oblige, qui est la Vestale du Vent. Elle prie le cristal du vent et répercute ses prières, mais également les prophéties que lui dicte le cristal à la population. Il faut savoir que le monde est régi par des cristaux. Ça vous rappelle Final Fantasy? C'est normal, c'est Square Enix. Et Edea Lee, qui est tout simplement la fille d'un duc de l'empire ennemi de celui auquel vous appartenez. Elle a trahi son camp, qui est l'empire d'Eternia, et elle s'allie donc à l'empire de Caldicia, pour permettre à la Vestale du Vent de tout simplement sauver le monde, puisque les cristaux élémentaires ont été pervertis par la noirceur des gens et de l'Empire d'Eternia.
On va passer maintenant à l'écran du haut. Et là, je vais faire éventuellement un tout petit zoom. Voilà. Déjà, écoutez la musique, c'est dantesque. Moi, je surkiffe. Voilà. Hop. Écoutez-moi ça, 30 secondes. Si ça, c'est pas une eau de voyage, je ne m'y connais pas. La bande-son est hallucinante. Elle mérite un 20 sur 20. Je ne sais pas combien Kaler ne lui a mis, mais c'est hallucinant. Le doublage japonais est très très bon. Anglais aussi, très très bon. Les sous-titres sont hyper bien calibrés. Enfin voilà, on est parti vraiment dans une grande aventure. Je repasse maintenant en double écran. Alors, en termes de menu, et on va essayer de faire ça court, très très court. Je rapproche ma caméra. C'est pas évident de tester un jeu 3DS quand on n'a pas le matos adéquat. On s'appelle pas jeuxvideo.com, mais on essaye de faire de notre mieux. On est quand même le seul site qui vous propose des vidéotests pour quasiment 80% des tests. On a le menu des objets, avec les objets classiques, les nouveaux objets, les objets d'attaque dont on ne dispose pas pour le moment, les ingrédients puisqu'il y a possibilité de fabriquer, il y a du crafting énorme dans ce jeu, et les objets clés. Vous voyez également, ici par exemple, tout ce qui s'appelle astérisque. Ce sont en fait des statues qui sont libérées par les boss et qui vous permettent ensuite de changer de classe. Chevalier, mage noir, moine, on retrouve les classiques et d'autres beaucoup plus sympathiques. Les équipements, donc les armes, les casques, etc. etc. Au niveau des magies, elles s'achètent via des parchemins. Ça rappelle aussi du Final Fantasy, notamment les premiers. Et elles sont utilisables par tous les personnages, pour peu qu'ils aient monté de niveau. On a de la magie blanche, avec soins, sérum et vision. De la magie noire, feu, glacier, foudre. Ça, c'est clairement du Final Fantasy aussi. En bas, vous avez l'écran de personnage, avec deux caractéristiques. Ils sont, je vais pas dire ambidextres, mais ils peuvent porter une arme dans chaque main, ou une arme et un bouclier, en sachant qu'il y a toujours une main directrice et une main latente. Donc, grosso modo, vous pouvez très bien équiper un bouclier, une épée, ou une épée, un bâton, tout ce que vous voulez, tout est possible. Et c'est très très bien fait, très très jouissif. Il y a la défense classique, l'attaque magique, la défense magique, la vitesse et l'esquive. Ensuite, il y a moyen, vous voyez, de switcher pour voir les valeurs de départ, en fonction des caractéristiques, les immunités, les résistances, et ainsi de suite. Donc là, on a juste fait les magies. Ensuite, on a le plus important du lot, les classes. On a différentes classes qu'on récupère, comme je vous l'ai dit, en gagnant des astérisques en battant des boss. Chaque classe a son propre niveau avec ses points de compétence. On en gagne 2, 3, 4, 5 en fonction du combat et des objectifs qu'on arrive à mener à terme, genre ne pas se faire toucher pendant tout le combat. Donc il y a possibilité de changer de classe en permanence. Vous voyez ici Chevalier, la nouvelle que je viens de gagner après 7 heures de jeu. Chaque classe donc, a son propre niveau, ses propres caractéristiques qu'on voit ici en bas. Donc vous avez par exemple, pour le moine, frappe puissante qui permet en fait de faire beaucoup de dégâts mais qui est très peu précis. Au niveau 2, vous chopez la concentration qui permet de booster votre attaque mais qui a une chance sur 2 de rater, etc., etc. Mage blanc qui propose magie blanche. Enfin voilà. Tout ça est vraiment hyper bien foutu, hyper immersif. Et vous allez passer des heures à customiser vos persos. En plus des classes, vous avez les compétences. Les compétences, c'est-à-dire qu'en fait, votre personnage, en plus d'avoir ses compétences de classe qui sont ici, donc, par exemple, là, j'ai un freelance, il a une compétence divers qui lui donne scan et bandage, une technique fixe, pardon. Il a un spécial qui est propre à sa classe, qui change en fonction de la classe choisie. Donc, si je prends, par exemple, ici, je vais essayer de changer de perso, voilà, Agnès, elle a auto-guérison, pourquoi? Parce que c'est un mage blanc, et sa technique fixe, c'est magie blanche, de niveau 1, 2, 3. Mais le plus important, c'est que vous avez possibilité de mélanger les compétences, puisque vous allez pouvoir utiliser des techniques, ça équivaut en fait à la technique fixe, mais en, je dirais, optionnelle. Si vous êtes monté, par exemple, de niveau en mage blanc, vous allez pouvoir utiliser de la magie blanche de niveau 1 ou 2, donc faire, je ne sais pas moi, un lancier mage blanc, ou comme je l'ai fait ici, et ça c'est assez particulier, vous voyez, un mage noir, mage blanc. Tout simplement. Bien évidemment, plus vous allez monter de niveau en tant que mage blanc, plus vous aurez de magie à récupérer de niveau, et plus, quand vous passerez mage noir, vous pourrez utiliser de techniques de mage blanc. Enfin, vous avez une compétence de soutien. Donc ici, par exemple, avec le mage noir, on a Maître des Sceptres. Elle est acquise définitivement, mais elle dépend bien évidemment de votre niveau de compétence principale, de classe principale. Donc,
je pense qu'il faut à chaque fois atteindre le niveau 3 pour avoir au moins, mais ça Calern vous l'expliquera dans le test, pour avoir au moins une compétence de soutien. Par exemple ici, j'ai Maître des Sceptres, obtient un S à l'aptitude arme pour les sceptres. Ça permet en fait de faire énormément de dégâts, tout simplement. Vous voyez que par exemple ici, pour mon freelance, je lui ai mis Sceptre Divinatoire, qui est une compétence passive, puisque toutes les compétences de soutien sont des compétences passives, de niveau 3 pour le freelance. Ça permet de savoir exactement le nombre de coffres qu'il y a dans un niveau, etc., etc. Donc voilà, c'est très très bien foutu. Ça permet donc d'avoir un personnage d'une certaine classe avec à côté des capacités d'une autre classe et une compétence de soutien d'une autre classe. Enfin, au niveau de l'équipement, comme je vous l'ai dit, on a deux mains, on a la possibilité de se protéger la tête, on a une armure et on a un accessoire. Les mains, comme vous le voyez, je peux très bien utiliser une lance. On voit que ça va me faire baisser en main droite et en vitesse. Je peux mettre un bouclier qui forcément me fera gagner en puissance de main droite, forcément, puisque je n'ai plus une deuxième main gauche occupée par une arme, une deuxième main gauche, une main gauche. Ma défense va monter, mais par contre, vous voyez que je ferai un coup à 24, alors que si je garde tel que je suis, je fais un coup à 20 et un coup à 32. Voilà, c'est pas négligeable. Voilà, juste ici, pour voir un petit peu les caractéristiques, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc vous voyez, comme je vous l'ai montré, hop, ici, je prends la targe. Et là, on voit directement que ça change, voilà, au niveau des caractéristiques. Bon, sur ce, vous avez également le spécial qui vous permet ni plus ni moins que d'utiliser la capacité spéciale de chaque arme. Hyper sympathique. Par exemple, vous avez le coup et taille, tout est paramétrable. Donc si par exemple, je dirais, vous faites 5 Brave, on vous l'expliquera après, ça vous permet d'utiliser un coup spécial paramétrable que vous pouvez nommer comme vous le voulez. Il y a également une musique qui se déclenche, etc., etc. Bon, c'est assez hallucinant. Enfin, en plus de pouvoir inviter des amis, il y a possibilité d'organiser votre groupe. Et surtout, très très important, de configurer le jeu comme vous le souhaitez, avec notamment la difficulté, facile, normale ou difficile, quand vous le voulez, et le taux de combat. Donc plus il est élevé, plus vous allez avoir de combat. Ça, c'est très bien fait. Vous allez voir que tout le jeu, en fait, est fait vraiment dans le confort du gamer. On est parti représenter un petit combat vite fait. Éventuellement avec des monstres qui ne seront pas tués en un coup. Voilà. Ok, on est parti. Let's go. Alors, à ce niveau-là, les combats sont ultra bien foutus. Si je mets l'effet 3D, vous ne verrez rien, mais je vais le mettre 30 secondes, regardez. Voilà. Forcément, à la caméra, ça passe très mal. Je vous assure qu'en réalité, c'est super bien foutu. Et très sincèrement, c'est le plus bel effet 3D que j'ai jamais vu parce qu'il est ultra profond. Donc, moi, je ne m'en lasse pas. J'ai fait tout le jeu en 3D. Ensuite, au niveau des possibilités de combat, vous avez le menu du dessous. On va vous le montrer. Vous avez attaque. Vous attaquez. Chaque fois que vous attaquez, vous perdez un point de tour d'action, mais qui fait plus 1 à la fin du tour. Donc à la fin du tour, chacun gagne un point de tour d'action. Donc là, si je, par exemple j'attaque, je reviendrai à 0 à la fin du tour. Les compétences, c'est ce qu'on a vu en fait. Donc vous avez la magie blanche que j'ai sélectionnée en compétence secondaire et les divers qui est en fait la compétence du freelance. Alors brave et default, j'explique après. Assistance, c'est appeler un ami à l'aide. Tout simplement. Il y a également moyen de cliquer sur le S que vous voyez là. Le S, c'est une fonction qui permet de stopper le temps des ennemis et vous allez attaquer comme des tarés, tout simplement. Vous en gagnez un par 8 heures de jeu en veille, donc vous allez laisser votre console en veille en permanence, ou alors en l'achetant dans une boutique avec de vraies espèces sonnantes et trébuchantes de la vraie vie, donc une carte Visa. Les objets et fuir, on va pas vous la faire à l'envers. Le gros du gameplay, c'est vraiment ceci, ces tours d'action qu'on peut engranger via la capacité default. Donc là, je vais sélectionner Default et je vais engranger des tours d'action. Donc vous allez voir, en fait, hop, pour tous mes personnages, je vais arriver à 1. C'est parti. Alors vous voyez que les combats sont très rapides. Pourquoi ? Parce que j'ai boosté la vitesse. Et ça, c'est dans le confort du gameplay, quand on se tape des combats tout pourris comme ça. On peut monter la vitesse de 2 crans. Là, je vais refaire un Default pour remettre ma défense et engranger encore un tour d'action. Remettre le jeu en vitesse normale, vous voyez.
Il y a même moyen de le mettre sur pause. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Donc mes personnages ont maintenant deux tours d'action en plus de leur tour classique. Je vais en faire un troisième. Hop, default, default, default et default. En plus d'une grosse défense, ça permet tout simplement d'engranger du tour d'action, comme je l'ai dit. Voilà. Alors ici, on a la possibilité de claquer tout ce qu'on a engrangé comme tour d'action d'un coup en faisant des braves. Jusqu'à 3 d'affilée. 1, 2, 3. Ça permet de faire 4 coups à la suite. Attaque ou compétence comprise. Donc là, ce que je vais faire, c'est de faire des compétences. Notamment, mais je ne sais pas, j'ai envie de faire une compétence divers. Donc je vais scanner un ennemi. Voilà. Puis je vais scanner l'autre. Voilà. Ensuite, je vais utiliser une magie blanche. Un soin sur Ringabel. Puisqu'on voit que Ringabel a un petit chouïa d'énergie en moins. Voilà. Et enfin, je vais attaquer un monstre. Le voici. Celui-là. Pour les autres, je vais me permettre de faire default, même si on ne peut pas aller plus haut que 3 tours, tout simplement pour qu'il n'attaque pas et qu'on puisse voir Tease jouer. Et là, regardez, c'est parti. Il fait 4 actions. Il scanne un ennemi. PV 15. Faiblesse, vent. Familiarité, famille, volant. Il scanne l'autre. Du coup, je connais tout sur mes ennemis. Ce qui veut dire qu'au prochain tour, je vais pouvoir les massacrer avec des magies. Enfin, je fais un soin sur Ringabel, et puis j'attaque. Voilà, vous voyez, il attaque 2 fois. Pourquoi ? Parce qu'il a dans une main une dague, et dans l'autre, un katana. Tout simplement. Avec Tease, qui est maintenant en 0, je peux très bien aussi refaire des Braves. C'est-à-dire qu'il va être en moins 4, donc pendant 3 tours, il ne pourra pas jouer. Donc là, je vais faire des compétences. Voilà, un soin sur Tease, parce qu'il a perdu de l'énergie, il vient de se faire attaquer. Un soin sur Agnès. Un soin sur Ringabel, parce qu'il n'a pas tout récupéré. Je sais que c'est un petit peu bizarre, parce que c'est un lancier, un freelance. Mais je fais des soins. Et enfin, un soin sur Edea. Ensuite, je vais charger mes autres personnages, ce qui ne sert à rien, mais c'est pour vous montrer Tease. Voilà, donc je fais un soin. Un deuxième. Regardez mon compteur en bas. Moins 2. Moins 3. Et moins 4. Donc là, je vais avoir 3 tours à attendre, puisqu'au prochain tour, je serai à moins 3. 3 tours où mon perso est inactif. Il faut vraiment jouer là-dessus, que ce soit pour les monstres classiques, parce que la difficulté est vraiment au rendez-vous, ou pour les boss. Donc engranger, engranger, pour ensuite tout lâcher. Ou alors, quand vous avez un groupe d'ennemis faibles, vous lâchez tout dès le départ, quitte à être en négatif, pour les abattre au premier tour. On va passer à d'autres personnages. Donc là, vous voyez un petit peu Agnès, qui a de la magie blanche, comme on a vu. Les divers, ça va pas vraiment nous changer. On va la faire attaquer de façon classique. Ringabel, qui a arts martiaux en compétence. Donc je vais lui balancer un tonifiant. Et ensuite, ça va permettre en fait de booster le tour, le point d'attaque pour 2 tours, les points d'attaque. Et ici, j'utilise Edea. Donc j'ai vu qu'il était sensible, si je dis pas de bêtises, au tonnerre. On va voir ça tout de suite. Donc foudre, foudre, foudre. Et foudre. Et alors là, apprécier, ça va faire mal. Donc ici, vous avez normalement, si je dis pas de bêtises, le tonifiant qui a réussi. Et ensuite, elle l'a tué. On n'a pas pu voir, malheureusement, les coups de Ringabel. On gagne, bien évidemment, de l'argent. On gagne des points de compétence et des points d'expérience. Les points de compétence qui sont ici, vous voyez qu'on n'en gagne pas des masses. Donc forcément, il y aura beaucoup de leveling à faire. À ce niveau-là, je pense qu'on a quand même déjà fait un joli petit tour de ce que ce soft a proposé. Autre petite chose, vite fait. Parce qu'il y a tellement à dire. Voilà. Et cette fois-ci, je zappe carrément l'écran du bas. On va zoomer sur l'écran du haut pour que vous puissiez le voir de façon correcte. Parce que, sincèrement, ça vaut son pesant d'or. Je vais remettre la caméra en mode classique pour qu'on puisse éviter tout effet de flou. Voilà. Apprécier. C'est absolument incroyable. Là, ce que vous voyez, en fait, ce sont les décors du jeu. C'est dessiné à la main, mais avec plusieurs plans différents. Ce qui fait qu'on a un effet de profondeur assez énorme. J'ai pas mis la 3D, mais quand vous la mettez, c'est assez hallucinant. Ça rappelle un petit peu du Saga Frontier 2. Et en termes de caractère design du Final Fantasy Tactics, c'est quand même pas rien. Là, vous voyez, mon personnage est tout petit, tout en bas, ici. Voilà, je sais pas si on le voit, ici, voilà. Je vais me rapprocher et regarder la beauté de ce zoom. Voilà, ça c'est énorme. Et en 3D, quand vous voyez ça tourner, mais vous pleurez. Parce que tous les environnements du jeu sont calqués sur cet effet de zoom à plusieurs plans parallaxes.
Il va falloir attendre, comme j'ai mis ma caméra sur automatique, elle va devoir à chaque fois se remettre un petit peu à niveau. Un petit dodo chez l'aubergiste du coin. Mais je vous assure que dans les niveaux où vous mettez l'effet 3D, c'est hallucinant de beauté. Moi, je kiffe. Regardez ici, ne serait-ce qu'ici, par exemple, l'arcade. Voilà, je ne sais pas si ça peut bien se voir, mais vous voyez que par rapport à l'armoire, c'est pas un plan fixe. Vous voyez, elle couvre l'armoire, plus ou moins. Imaginez ça en 3D. C'est énorme. Moi, pour moi, c'est le plus beau jeu 3D de la Nintendo 3DS. Et le pire, c'est que les décors sont en 2D. Ça qui est assez hallucinant. En plus de musique géniale. Donc, on a affaire à un pur jeu de rôle avec un système de jeu excellent. Moi, j'adore les Brave, les Default. On en abuse. Toutes les heures, il y a une nouvelle idée de gameplay qui tombe. Alors ça, c'est vraiment terrible. Parce qu'en fait, à chaque fois, vous devez réapprendre le soft. Non, il n'y a rien à jeter dans ce Bravely Default. Vous verrez le test de Calern qui l'encense. Moi, mon vidéotest l'encense également. Il n'y a vraiment rien à jeter. Et surtout, si vous avez l'occasion de l'acquérir, si vous n'avez pas de Nintendo 3DS, foncez dessus, ça vaut le coup. Désolé pour les effets de flou, mais bon, la caméra automatique, voilà ce que ça fait. Ici, par exemple, je sais que je vais les abattre en un tour, donc je balance la totale. Voilà. Donc je balance en fait tous mes Brave. Quitte à être en négatif, c'est-à-dire que je vais devoir récupérer par la suite. Voilà, et là les compétences de magie noire, je vais balancer glacier pour voir ce que ça donne et apprécier. On est parti. Ping, 1, 2 et 3. Bref, vous l'aurez compris, ce Bravely Default est clairement un excellent jeu. On vous le recommande chaudement. C'est pour moi l'un des meilleurs RPG auxquels je me suis adonné depuis de trop nombreuses années. Donc allez-y à fond, il est dantesque, il est épique, malgré une deuxième partie peut-être un petit peu en demi-teinte. Et on arrête de changer de tâche parce qu'à chaque fois on va avoir une image floue. A très bientôt sur ingames.com, ruez-vous sur ce Bravely Default, je vous en conjure, d'autant plus qu'une suite est prévue. Donc on compte sur vous, faites honneur à ce jeu, il le vaut largement, vous allez passer un temps incroyable dessus. Sans compter toutes les quêtes annexes, tous les petits ajouts que vous allez voir au niveau du gameplay au fur et à mesure des heures. On va de surprise en surprise avec ce Bravely Default. Ne le ratez surtout pas, c'est l'un des tout meilleurs RPG et peut-être l'un des meilleurs jeux de 2013, si pas le meilleur. A très bientôt sur endgames.com. En attendant, on se quitte avec un combat épique comme toujours. On vous adore, ciao !